Hello tout le monde, je suis avec Coralie qui m'intéressait parce qu'elle avait un témoignage à nous apporter. Donc, elle a fait une rencontre avec le Dogman. Donc, bonjour Coralie. Bonjour. Et donc, je suis vraiment content de te recevoir parce que tu as fait une rencontre intéressante et je voulais vraiment que tu nous en parles. Alors, dis-moi, est-ce que tu es de quelle région ou est-ce que tu l'as rencontré? Alors, cette histoire, ça s'est passé dans la région du Sud-Ouest, dans le département de la Gironde. C'était juste avant un petit village. Voilà. D'accord, dans donc le sud de la France. C'était une zone boisée, c'était quel genre d'environnement, du coup? Oui, c'est en plein milieu des vignes. Il y a des vignes, de la forêt. C'est principalement de la vigne et de la forêt. Et t'es quelle heure environ? Il était minuit passé, minuit Minuit et passé. demi. Donc, c'était la soirée du 29 décembre 2009. D'accord. Je suis allée au cinéma avec ma sœur, accompagnée d'une autre amie. À la sortie de la séance de cinéma, donc on a pris la route pour rentrer chez nos parents. On a déposé cette troisième amie chez elle. Et le village, qui est le village juste avant où on a rencontré des créatures. Donc, j'ai roulé en direction du village de Saint-Ferme, en Gironde. Et c'est bête, au loin, j'ai vu des yeux qui brillaient. Et comme il y a beaucoup d'animaux dans cette région boisée, pour moi, c'était soit des yeux de chevreuil, soit des yeux de sanglier. Donc voilà, j'avais le permis depuis pas très longtemps et pas envie d'abîmer ma voiture, donc j'ai décéléré. Et quand je suis arrivée à la hauteur de ces yeux qui brillaient, je me suis très très vite rendu compte que ce n'étaient pas des animaux communs, puisque c'était véritablement deux énormes loups. Il y en avait un qui était marron et un autre qui était noir. Pour situer un peu plus la scène, alors, il faut imaginer une route qui traverse un bois, une route départementale. C'est pas non plus une petite route communale, c'est une départementale qui traverse un bois. Et sur la gauche, il y avait un talus. Il faisait à peu près 2 mètres de hauteur par rapport à la route, et avec des vignes au-dessus du talus et une petite cabane, comme il y en a beaucoup dans la région, dans les vignes, des petites cabanes en pierre qui sont situées au bord des vignes. Donc les deux bêtes, elles étaient au niveau de la cabane en pierre. Et en fait, ce qui m'a semblé très étrange, donc la scène s'est déroulée très 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 rapidement, à peine 10 secondes. C'est allé très très vite. Donc j'ai aperçu ces deux bêtes. Et mon premier réflexe a été de fermer, de verrouiller les portières de la voiture. Comme si j'étais capable d'ouvrir ma portière. Alors que théoriquement, non. Mais j'ai fermé vite les portières de la voiture. Et j'ai mis la première pour enclencher la première pour démarrer parce que j'étais quasiment à l'arrêt. Et en fait, la bête marron qui était en haut du talus, à côté de la bête noire, elle a regardé la bête noire et elle lui a comme donné un ordre. Comme si elle l'avait donné l'ordre, elle lui avait donné l'ordre, c'était elle qui était le chef, de sauter sur la route. Chose que la bête noire a faite. Elle a sauté devant mon capot. Mais la façon dont la bête a sauté, ça a juste dépassé tout ce que j'avais pu voir dans ma vie jusqu'à présent. C'est-à-dire que cette bête, alors déjà elle était énorme, comment l'expliquer, je pense qu'elle devait faire au moins, son dos devait au moins faire 1,50 m de hauteur, à peu D'accord, près. D'accord, mais c'était en quelle position, à quatre pattes ou alors il y en avait une qui était sur deux pattes? Alors, en haut du talus, elles étaient toutes les deux à quatre pattes. D'accord. Et quand la bête elle a sauté, elle a également sauté à quatre pattes, comme un félin. Et ce qui m'a choqué, c'est que cette bête qui a sauté du talus, alors déjà, du haut du talus jusqu'au milieu de la route devant ma voiture, il y avait un certain nombre de mètres. Je pense que ça doit se compter peut-être 5 mètres, quelque chose comme ça, peut-être plus même. Je n'ai jamais mesuré une route, mais je pense que ça doit bien faire 4-5 mètres de largeur, mais peut-être même plus. Donc voilà, elle a fait au moins un bond de plus de 6 mètres. Et elle a sauté du haut du talus et elle s'est réceptionnée devant moi comme une plume. Alors, c'était une créature qui avait une certaine masse. Elle était très lourde, très imposante. Et en fait, elle a sauté avec une telle grâce. C'était juste magnifique.
C'était la plus belle chose que j'ai jamais vue de ma vie. Elle a sauté, j'ai vu ses pattes se réceptionner avec douceur sur le sol. Et ses pattes, c'était comme du velours. C'était, j'ai pas vu de griffes, j'ai pas vu ça, j'ai vu une patte, comme une patte de gros félin en velours avec un pelage parfait. Mmh, et, okay. Et là, donc, elle était devant les phares de ma voiture, donc j'ai pu la voir bien plus en détail. Alors, c'était vraiment un loup énorme, avec une tête de loup. Pour l'instant, là, je vois juste sa tête de loup. Je vois pas de mâchoire ouverte ou quoi que ce soit. Je vois juste sa tête avec une très très grosse fourrure au niveau des un peu dans pas mal dans le dos. Et bizarrement. Excuse-moi juste une fourrure oui. Au niveau des pardon, ça avait coupé juste une fourrure au niveau. Une fourrure au niveau des oreilles et dans le D'accord. dans le dos, enfin dans le cou là. Okay. Et alors après, son pelage redevenait tout velours, d'accord. jusqu'au niveau de l'arrière-train. Et après, la queue, elle était en panache, elle était touffue de nouveau. Mais son pelage, c'était, on n'aurait pas dit des poils d'animaux, on aurait dit du velours, comme la panthère pour Dulux Valentine. Voilà, c'est comme la panthère noire. Un pelage très très beau, très soyeux. Enfin, c'était la nuit, c'était les phares de la voiture, il y avait la lumière de la lune, mais je pouvais voir que si je la touchais, on aurait dit une peluche. Voilà. C'était la pleine lune alors, c'est ça ? Alors, c'était pas la pleine lune, mais on y voyait quand même pas mal. Mais c'était pas la pleine lune. Voilà. Mais on y voyait quand même assez. Enfin, on y voyait quand même. Je pense que si j'avais éteint les feux de la voiture, j'y aurais vu un petit peu quand même dans la nuit. D'ailleurs, voilà. Je vais diffuser la photo que tu m'as envoyée qui ressemble au visage, oui. À la tête du dogman que tu as vu. Mais pour oui. toi, qu'est-ce qui différencie vraiment la créature que tu as vue d'un loup ordinaire ? Sa taille ? Alors, oui. Alors, déjà, premièrement, sa taille. C'était oui. pas du tout la même taille. Et puis, indirectement, aussi la morphologie. Un loup, ça reste quand même assez trapu. Comment expliquer ? Fin, c'est ça par rapport à ce que tu as vu. Le loup, il reste quand même homogène entre le devant de son corps et l'arrière, et puis le niveau du pelage. Le loup, il a une fourrure à l'avant, il a une fourrure à l'arrière, tandis que là, cette bête, elle avait une très très grosse fourrure au niveau du cou, et après, ça devenait, enfin, son corps se rétrécissait comme un lévrier, d'accord. comme le bassin d'un lévrier. Et après, ça repartait. Enfin, la croupe était très cambrée. Cette bête était très, très cambrée. Ouais. Mais elle marchait à quatre pattes. Enfin, à mon sens, elle ne pouvait pas se mettre sur ses deux pattes arrière. Elle restait avec ses quatre pattes. Et donc, pour en revenir après au déroulement de la scène, donc, elle a sauté devant mon pare-choc. Donc, j'ai vu cette bête immense. Et j'ai compris. Dans son regard, qu'elle ne venait pas me faire un bisou. Voilà, elle ne venait pas me faire du bien. Donc là, j'ai enclenché la première et j'ai démarré. Et quitte à lui foncer dedans, en fait. Et au moment où j'ai enclenché la première, elle a sauté sur la voiture. Mais enfin, j'ai donné un coup de volant qui fait qu'elle est arrivée sur l'arrière gauche de ma voiture. Alors à cette époque-là, j'avais une Clio 2. Ça reste quand même une petite voiture. Mais son corps dépassait ma vitre du côté passager. Enfin, sa tête arrivait au niveau du côté de ma vitre passager, sachant que si elle était en attaque, elle baissait la tête. Voilà. Et donc ça fait si elle essayait de m'attaquer, elle a baissé la tête automatiquement pour venir m'attaquer la voiture. Donc voilà. Et pour moi, elle a voulu essayer de mordre mon pneu arrière gauche. J'ai bien démarré, j'ai réussi à l'éviter et j'ai roulé. J'ai roulé tout ce que j'ai pu jusqu'à arriver au village juste après, le village de Saint-Ferme. Cet événement s'est passé à côté du lieu-dit Petit Gouzil à Saint-Ferme. Donc c'est très facile sur un GPS ou quoi, on peut très facilement le trouver. Lieu-dit Petit Gouzil. Et là, c'était le village. Donc j'arrive au village de Saint-Ferme, je regarde ma sœur. On est blanches toutes les deux, je pense qu'on ne sait plus trop où on se trouve. Et là, je lui dis, écoute, t'as vu ce qu'on a vu ? Et elle me dit, oui, j'ai vu ce qu'on a vu, c'était quoi ? Alors on tremble, on a peur.
On est choqué par ce qui vient de se passer. Et là, je dis, mais on fait quoi, là? Personne ne va jamais nous croire. On fait quoi? On fait demi-tour? Et j'ai très envie. Ben, j'ai très envie parce que je suis curieuse dans la vie, tout simplement. Que j'ai vu quelque chose de paranormal, d'anormal. Et je me dis, mais est-ce que j'ai bien vu? Alors que oui, j'ai bien vu. Mais aller le voir une deuxième fois, ça m'aurait réconforté dans ce que j'avais vu. Et en fait, non, j'ai pas eu le courage. Parce que vraiment, j'aurais pu mourir. Voilà. Je me suis dit, non, la curiosité, oui, mais au prix de ta vie, non. Donc j'ai décidé de ne pas revenir en arrière. Mais c'est quelque chose que je regrette aujourd'hui, en fait. Des fois, je me dis, j'aurais dû y aller. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Quand tu disais que... qu'ils communiquaient entre eux, à ton avis, ils communiquaient entre eux comment? Ah oui, alors là... C'est délicat. En fait, c'est bizarre parce que c'est une scène sans mots, sans rien, mais j'ai tout compris. Ils communiquaient par une intention de regard ou une intention de pensée. Voilà. C'est pareil pour la bête. Elle ne m'a pas parlé, mais c'est ton intention de regard ou de pensée, en tout cas quelque chose. Une information est passée que j'ai reçue, soit par la pensée, soit par le regard, mais en tout cas, je l'ai captée. D'accord. Au niveau de la voiture, est-ce qu'il y a des traces ou... Il y avait rien du non, tout. Rien non, du non. Tout. Je n'ai eu aucune trace sur la voiture puisqu'elle ne m'a pas touchée. Voilà. En fait, j'ai. Bon, je sais pas si c'est parce que j'ai bien piloté ou quoi, mais oui. En fait, elle ne m'a pas touchée. Et heureusement. Est-ce que tu as fait d'autres rencontres avec ces créatures ou c'était vraiment la seule que tu as faite? Non, c'était la seule et unique rencontre avec ces créatures. Après, voilà, moi c'est un bois que je fréquentais énormément. J'allais très très souvent dans ce bois petit, puisque j'habitais une maison juste à côté. Et j'allais très souvent en expédition dans les bois avec mes amis et même toute seule. Et je n'ai jamais rencontré ces créatures avant ce jour-là. Et aujourd'hui, moi j'ai des membres de ma famille qui continuent d'aller dans ce bois pour ramasser des champignons. Et moi je n'y vais plus. J'ai trop peur. Voilà. Et on est d'accord que c'est pas un bois qui est immense non plus, quoi. C'est. Si, c'est quand même un bois qui. C'est un bois qui est immense. Au niveau de ta sœur, comment ça se passe? Est-ce qu'elle ose en parler ou elle est encore dans le. Alors, au niveau de ma sœur, oui. Au niveau de ma sœur, alors on en a parlé les premiers temps en famille. Alors déjà, la première chose qu'on a faite quand on est rentré chez nous, on a réveillé nos parents et on leur a dit. On leur a dit, il nous arrivait ça, ça, ça. On n'a jamais été prise au sérieux, justement, en fait, ils se sont toujours moqués de nous, dans les repas de famille ou quoi. Enfin, moi, c'était tout le temps, t'as vu des loups? Il y a un loup derrière la fenêtre. En fait, voilà, on a toujours été moqués et on nous a jamais pris au sérieux. Donc, aujourd'hui, ma petite sœur, elle a bien grandi, elle a fait sa vie ailleurs, je la vois beaucoup moins qu'avant. Et ça peut arriver qu'on en reparle toutes les deux de cette histoire. Mais après, voilà, on en a beaucoup parlé par le passé. Aujourd'hui, on n'en parle plus forcément. Déjà, je la vois plus trop. On était jeunes à l'époque. Et après, oui, on a vu la même chose. Mais on ne sait pas vraiment ce qu'on a vu. Et après, elle est... plus terre à terre que moi. Elle sait très bien qu'on a vu quelque chose qui n'existe pas, mais c'est pas quelque chose. Elle va pas s'embêter avec ça dans sa vie. Voilà, elle est passée à autre chose, je pense, plus que moi. D'accord. Et pourquoi en parler 13 ans après? Qu'est-ce qui fait que tu aies maintenant le courage d'en parler du coup? Alors pourquoi 13 ans après? Parce que ça fait tout simplement 13 ans que je vis avec ça. Ça fait 13 ans que je vis avec les moqueries, ça fait 13 ans que j'essaye d'en parler aux gens que j'aime. Et que je me dis, au final, là j'ai trouvé un groupe sur un réseau social qui parle des dogman. Je me dis, pourquoi pas partager mon expérience si ça peut m'aider à trouver des témoignages qui vont dans le sens du mien ou tout simplement, oui, en parler parce que moi, j'en ai pas parlé parce qu'on s'est tellement moqué de moi quand j'en ai parlé, le peu de fois où j'en ai parlé, que je me suis dit à quoi bon essayer d'ouvrir les yeux à mon entourage sur quelque chose dont ils n'ont pas envie d'entendre parler. Voilà. Enfin, je me suis dit à quoi bon. Mais le fait de trouver des personnes qui ont vécu quelque chose comme moi, peut-être,
ben ça m'apporte un certain soutien. Voilà, je me dis qu'on connaît pas tout sur cette terre, on n'a pas conscience de tous les êtres qui nous entourent, et que oui, ce que j'ai vu, ça existe sûrement, mais c'est juste que ce n'est pas connu. En tout cas, c'est super que tu aies le courage d'en parler. Je pense que ça doit te faire du bien aussi d'en parler. Justement, de te libérer de tout ce que tu as eu. De l'événement que tu as eu, quoi, dans le sens. Je pense que ça fait quand même des années que ça doit être dur. Je trouve qu'Internet, ça a quand même un désavantage de pouvoir, justement, pouvoir discuter de tout ça avec des gens qui ont aussi vécu. Oui. Voilà. Et puis, ça permet aussi de donner de la crédibilité à certaines peurs que je peux avoir. Par exemple, aujourd'hui, me balader dans une forêt, j'ai peur. Mais quand je me retrouve toute seule sur une route la nuit, j'ai peur. Parce que je me dis que ça s'est passé une fois et ça peut se passer d'autres fois. Voilà. Donc, mais premièrement, c'était pour ne pas me sentir seule face à cet événement qui s'est déroulé dans ma vie et que je garde aujourd'hui comme un souvenir. Voilà. Un certain traumatisme aussi, je pense, même si je ne l'ai pas matérialisé, si je n'ai pas été suivie par un psy par la suite ou quoi. Oui, c'est un certain traumatisme. Voilà, je peux dire. Le fait de ne pas comprendre aussi, je suis une fille qui aime comprendre tout ce qui l'entoure. Toutes les choses, j'essaye de comprendre au maximum les environnements, les choses qui m'entourent. Et ça, je n'ai pas réussi à obtenir une explication, et ni même à le voir une deuxième fois pour être sûre que j'avais vraiment vu ce que j'avais vu, tout simplement. Voilà, je reste sur un petit point d'interrogation. Et ça, je pense que ça me suivra jusqu'à ma mort. Ouais, non, mais du coup, c'est plutôt paradoxal pour toi, parce que finalement, t'as peur de pouvoir le rencontrer, mais finalement, t'aimerais avoir les réponses. Donc, je pense que ça va être assez compliqué, quoi. Oui. Bah après, n'importe qui aurait peur. Je pense que n'importe qui aurait peur. Moi, je serais pas le fier non plus. Oui. Après, j'ai pas vu de griffes acérées. J'ai juste vu, au moment où elle a essayé de mordre le pneu de ma voiture, j'ai vu une mâchoire. Oui, j'ai vu. Mais enfin, je peux pas dire. Que c'était une créature monstrueuse qui m'a montré ses dents acérées. Je n'ai pas le souvenir de mâchoire acérée, de ces choses-là. Non, moi, je reste sur, sur la rencontre avec une créature magnifique. Du coup, après le recul, après toutes ces années, est-ce que tu as une théorie sur cette créature, à ton avis ? Qu'est-ce que c'est, un animal inconnu ou c'est plutôt surnaturel ? Enfin, est-ce que tu as des théories là-dessus ? Alors, aujourd'hui, avec le recul, j'ai des théories. En fait, ma première impression, pour moi, c'était des énormes loups, un peu comme dans le film Twilight. C'était des énormes loups qui étaient en train de chasser. Donc, c'était vraiment une espèce de loup, je dirais, énorme, peut-être qu'on ne connaît pas encore. Pour moi, c'était ma première vision des choses. Et ensuite, j'en suis venue à penser au loup-garou, mais bien des mois après. J'ai même pas capté à ça tout de suite. C'est quelques mois après que je me suis dit, mais en fait, si c'était des lycanthropes, si c'était un loup-garou, et si c'était en train de chasser. Et là, en fait, ça a ouvert un peu mes horizons, où j'ai commencé à regarder un peu sur Internet, plus de contenu par rapport à ça. Et je me suis dit, mais oui, en fait, c'était peut-être des loups-garous, mais c'était pas la pleine lune. Alors, c'est vrai que je te demandais justement. Voilà, est-ce que c'est un cliché, loup-garou sort à la pleine lune ? Je sais pas, moi c'était pas la pleine lune. Oui. Donc aujourd'hui, si je devais dire ce que c'était, bon déjà c'est sûr et certain que c'était paranormal. Enfin, c'est pas quelque chose qui est connu. Voilà, c'est pas une espèce qui est connue, c'était pas un chien, on peut pas me dire c'était un chien, c'était un loup, c'était le gros chien, telle race. C'est sûr et certain, ce n'est rien du tout de ce qu'on connaît déjà sur cette terre, c'était autre chose. Et aujourd'hui, je pense que c'était des énormes loups, ça c'est sûr et certain, mais est-ce que ce sont des loups qui subissent une transformation ? C'est-à-dire que ce soit un humain, par exemple, la journée, qui se transforme en loup, pour quelconque raison, hein, pas forcément un homme qui se transforme en loup pour aller tuer des êtres humains la nuit. Non, mais peut-être que, je sais pas, comme un esprit de la forêt, quelque chose comme ça, peut-être dans ce sens. Pas forcément
pas forcément pour tuer. Eux, je pense qu'ils devaient chasser autre chose que des humains. Ils devaient chasser peut-être des animaux aussi la nuit. Mais enfin, dans tous les cas, ils étaient là pour chasser, ça c'est sûr. Voilà. Mais après, oui, peut-être des. Je sais pas, des. Comme les Indiens, voilà, qui peuvent se. Voilà, transformer leur esprit dans un animal, je sais pas, quelque chose comme ça, peut-être. Pour élargir un peu. D'accord, de toute façon, toutes les théories encore sont possibles Oui, au stade où on en bah est, oui, quoi. après, je pense que j'ai plein de choses à apprendre, plein de choses à découvrir encore. On n'est pas au bout de nos connaissances. Et il y a beaucoup de personnes qui voient des choses qui n'existent pas. Alors, pourquoi pas, après tout, ces choses n'existeraient-elles pas réellement? Voilà. En tout cas, bah, merci beaucoup pour ton témoignage, d'avoir accepté Mais merci d'avoir à accueilli toi notre de m'avoir relation. écouté. Bah, c'est normal. En tout cas, merci beaucoup. Hein, comme ça, les consciences vont pouvoir s'ouvrir aussi sur cette créature, que les gens puissent témoigner. Et puis, voilà. Je suis vraiment très content de t'avoir reçu, en tout cas. Ben moi Merci à toi. également. Je te remercie beaucoup. De rien. À plus tard, Coralie. À plus tard.